Effectivement, ça a été plutôt une bonne journée. J'ai très bien commencé avec un birdie au 1, un bon par au 2. David Orsay a fait bogey au 3 et j'ai refait birdie au 4. Et il refait bogey au 5. Donc j'ai vraiment pris une avance assez confortable au début et j'ai essayé de gérer cette avance par la suite en essayant de prendre beaucoup de fairway, beaucoup de green, d'assurer des putts avec une bonne vitesse. Et c'est ce qui s'est passé à part un mauvais 3 putts au 9. Tout le reste a été vraiment en contrôle. Ouais. Oui, c'est bien sûr un peu différent. Les stratégies sont beaucoup plus adaptées à l'adversaire, bien sûr, que ce qu'elles sont d'habitude. On d'habitude essaie de se battre contre un parcours qui nous fait souffrir. Et là c'est le joueur qui va soit vous rendre la tâche plus facile parfois, ou soit vous forcer à prendre des choix tactiques que vous ne prendriez pas en stroke play. C'est une formule que j'aime beaucoup et je trouve que c'est une brillante idée de Paul Laurie de jouer ce tournoi en match play. Oui, le dernier match play que j'ai fait assez important, c'était à Terre Blanche contre mon copain Jean-François Lucquin. Il m'a battu au 19 au premier tour, donc ça a été assez rapide. Il y a eu 2007 avec le Sevi Trophy aussi, que j'ai pu jouer et en double avec Raph Jacquelin, avec qui j'apprécie beaucoup de passer des moments. Et avant ça, c'était en 99, donc ça remonte vraiment. J'espère qu'à l'avenir, les promoteurs auront cette idée d'amener des tournois match play plus régulièrement, de trouver une manière de faire en sorte que beaucoup de joueurs jouent, parce que là on n'est que 64, au moins 128 ça serait bien, voire un peu plus, peut-être une poule qualificative, je ne sais pas, mais c'est vraiment, je trouve, une excellente idée. Ouais.